Bonsoir à tous, bienvenue ici au Groupama Stadium de Lyon des Cygnes pour la 10ème journée de championnat de France de Ligue 1. Lyon reçoit Metz, le 17ème reçoit le 16ème de notre championnat. L'Olympique Lyonnais doit se racheter l'entrée des 22 acteurs sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon des Cygnes. Lyon doit se racheter, ça fait depuis le mois d'août et la victoire 6-0 ici même face au SCO que Lyon n'a plus gagné en championnat. Lyon, la dernière victoire de toute compétition confondue, remonte à la victoire face à nos amis de Leipzig en Allemagne en Coupe d'Europe. Voilà, il y a maintenant 3 semaines de cela. L'Olympique Lyonnais qui est à que 7 points du podium en étant 17ème. Les compositions d'équipe, à commencer par celle de l'OL avec Lopez, Dubois, Marcelo, Denayer, Koné, Touzard, Mendes, Adélaïde, Aouar, Memphis et Dembélé. Oui, pas de Maxwell, Cornet, de Bertrand Traoré. On fait des tests encore côté Rudy Garcia. La composition mise par l'entraîneur Messin dans quelques instants. Une belle petite ambiance ce soir malgré les mauvais résultats côté lyonnais, la poignée de main entre les deux équipes. Avec avec Wikidja, Santonze, Fofana, Sundu, Udol, Endora, Maga, Gakpa, Diallo, Ambrose et Traoré. Oui, Udol et Sundu titulaires, les deux titulaires habituels ne sont pas là, blessés, absents. En tous les cas, pour ce match entre le SC Metz et l'Olympique Lyonnais, le défenseur central était remplacé par Sunzu à la mi-temps du dernier match le week-end dernier face à Nantes. Voilà le coup d'envoi dans quelques instants donné par Moussa Dembélé et l'Olympique Lyonnais ici au Groupama Stadium de Lyon des Cygnes. C'est parti, coup d'envoi de la rencontre, le ballon avec Dembélé, à voir Touzard maintenant. Qui va trouver Dubois avec Aouar qui va passer. Ah, il aurait peut-être dû continuer. Memphis avec Aouar, c'est bien joué. Memphis maintenant, l'une, deux. La frappe de Memphis qui va passer juste au-dessus de la cage d'Alexandre Kidja. La première occasion lyonnaise de cette première période a été touchée. Ça sera un corner pour l'Olympique lyonnais. C'est parti dans la surface, c'est renvoyé en touche. La touche pour c'est Memphis qui va la jouer. C'est pas à toi Memphis, ça connaît de venir la jouer. Il va trouver Oussem Aouar. Aouar avec Moussa Dembélé. Dembélé en retrait pour Thiago Mendes. Touzard avec Moussa Dembélé. Il n'y a pas de hors-jeu. Oh, quelle occasion. Après 19 minutes de jeu. Ça passe juste à côté comme on peut le voir. Quelle occasion pour l'international espoir français. Là c'est bien joué, Thiago Mendes qui est passé, il faut proposer un peu plus là. Memphis, oui, magnifiquement bien joué de la part du Néerlandais. Le centre de Memphis peut-être, non, en retrait pour Youssouf Koné. Le centre maintenant, c'est dégagé, ça va revenir avec Lucas Touzard. Oussem Aouar avec Moussa Dembélé dans la surface, ça frappe. Oh, il aurait dû servir, il me semble, Thiago Mendes en retrait. Quelle occasion pour l'Olympique Lyonnais. Aouar avec Touzard. Touzard, voilà, une première période très bien côté lyonnais qui a fait plaisir à voir jouer. C'est la pause. L'OL a eu quelques petites occasions, aurait mérité d'ouvrir le score. Ce qui ne s'est pas fait, un manque d'efficacité. En tous les cas, on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite, on passe par la régie et à Paris. Et on se retrouve tout à l'heure en direct du Groupama Stadium de Lyon des Cygnes. A tout à l'heure. De retour ici au Groupama Stadium de Lyon des Cygnes, l'Olympique Lyonnais est tenu en échec par le SMET 0-0. L'entrée de Kenit était à la place de Youssouf Koné. C'est sûrement Dubois qui va glisser côté droit. Qu'est-ce qui s'est passé côté gauche? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ambrose? Par contre, là, il est passé. Le retour de Kenny Tété. Non, c'est Kenny Tété côté droit. Attention avec Diallo. La frappe de Diallo et la parade. 51e minute. On en reste à 0-0. La première occasion du FC Metz dans cette première période, dans ce match. Elle intervient à la 51e minute en seconde période. On revoit cette occasion. La raid d'Anthony Lopez. Pique lyonnais. C'est peut-être parce qu'il joue à 2-6 devant la défense qui lui paie un peu plus. Là, il faut centrer Memphis, Tété, Memphis, les deux internationaux néerlandais avec Thiago Mendes. Ça va, magnifique ce jeu. Et quelle occasion pour l'Olympique Lyonnais. Ça va passer à côté. On va revoir tout ça au ralenti. Ah, on peut pas revoir le geste d'Oussem Aouar. Ça serait sympa. Fred Godard, s'il pourrait nous remontrer ça, notre réalisateur. La sortie de Jean-Lucas, de Touzard remplacé par Jean-Lucas. C'est Farid Boulaya à la place d'Ambrose.
va falloir faire quelque chose, on s'en aura pas ennuyé, on aura vu des occasions, mais encore un manque d'efficacité côté lyonnais. Allez, Thiago Mendes qui a transpercé la défense avec Moussa Dembélé, 92e minute, l'Olympique Lyonnais va s'imposer ici au Groupama Stadium de Lyon Décines, 92e minute. L'Olympique Lyonnais en flamme, le Groupama Stadium, c'est Moussa Dembélé pour son 7e but en Ligue 1 cette saison. On revoit Sam Mendes à la passe décisive pour l'international espoir français qui vient crucifier les Messins à la 92e minute. Go 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 go. Moussa Dembélé, 92e minute, l'OL va s'imposer et va retrouver le goût de la victoire après 8 matchs sans victoire en championnat. Voilà, c'est fini, victoire de l'Olympique Lyonnais ici sur la pelouse du Groupama Stadium. Petite victoire 1-0 sur la plus petite possible. Voilà, un beau match des Lyonnais dans la continuité. On espère que ça va continuer. On se retrouve en tous les cas la semaine prochaine pour un nouveau match de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 Conforama. Allez, Kishel Pali, à la prochaine. Salut les amis.